Mon histoire personnelle est assez longue, peut-être qu'aussi longue que la piste avec Marvel, parce qu'en fait c'est la piste où tous les gamins du village vont quand mes premiers souvenirs, enfin mes premières glisses en fait, c'était sur une petite pente à côté de la maison où on habitait. Mais après je suis allé sur l'espace débutant au plateau des Essert. Et puis en fait dès qu'on sort de cet espace débutant, les premières grandes pistes et vraies pistes qu'on fait, c'est Marvel. C'est notre première piste verte et donc c'est ici que j'ai appris à glisser, quoi, tout simplement, au sens propre. Donc depuis tout petit, depuis l'âge de 2-3 ans, je connais cette piste. Et puis un peu après, j'ai aussi de très nombreux souvenirs avec le ski club parce qu'on était une très bonne bande de copains, pardon. Et puis aujourd'hui, je peux le dire, il y a prescription, ça fait plus de 30 ans, mais on avait pour habitude de se faire des petits derbies entre nous. On se rejoignait entre les entraînements du club et entre nous, on se faisait nos courses sur Marvel, sur la piste. Mais c'est ici, finalement, que j'ai aussi appris à glisser. Peut-être que mon don de glisseur, je l'ai perfectionné sur cette piste quand j'étais petit, parce qu'on se faisait notre petite course entre nous, entre copains du club. Et puis souvent, déjà, à ce moment-là, je gagnais. Donc c'est des très grands souvenirs d'enfant, après de ski club. Et puis maintenant, j'ai encore du plaisir à revenir, puisque j'ai moi-même mes enfants, et ils ont fait aussi leur première glissade sur cette piste. Ils adorent venir. Maintenant, ils sont capables de skier des pistes plus difficiles que ça, mais ils réclament encore toujours pour venir faire une piste verte, une piste Marvel de temps en temps. Donc, c'est vraiment une piste qu'on fait toujours avec plaisir quand on vient ou qu'on habite à Morillon.